Salut les copains, donc on se retrouve enfin pour mon premier vlog de ma vie au Canada. J'espère que la vidéo vous plaira et je sais que ça fait longtemps que vous l'attendiez, donc let's go. Du coup, je viens d'arriver dans mon appartement et en fait, j'ai pas de matelas. Donc là, pour l'instant, je ne peux pas dormir dans mon appartement, sauf que j'ai commandé un matelas, mais sans faire exprès, hier. Genre, je voulais juste regarder quand il arrivait, mais en fait, je l'ai commandé. Et là, faut que j'aille voir, enfin, bref, la galère. Faut que j'aille voir si le matelas, je peux l'avoir aujourd'hui, parce que du coup, j'ai réservé une nuit d'hôtel pour avoir le temps de prendre un matelas, sinon je dors sur le sol, même si je l'ai déjà fait en soirée, t'as capté, mais bref. Et bah, j'étais aussi faire les courses. Faire les courses tout simplement parce que sinon je vais manger des cailloux et bref, voilà. Rapidement un appartement tour, donc c'est un 2,5. Dès qu'on entre dans l'appartement, on a la cuisine et il y a donc deux pièces, c'est pour ça que c'est un 2,5 parce qu'il y a une salle de bain. Il me coûte 775 $ canadiens, donc à peu près 600 €. On peut penser que c'est beaucoup, que c'est un peu cher, on peut penser que c'est pas si cher que ça parce que c'est quand même assez grand, assez lumineux, mais c'est pas meublé donc. Pour Nancy, par exemple, ce serait vraiment très cher. Tu aurais un appartement super grand et super meublé. Mais la vie à Québec coûte cher. Donc, moi, ça m'étonne pas. Et après, je suis pas trop loin du centre-ville. Je suis genre à 10-15 minutes à pied. Donc, ça va en vrai. Après, ça dépend où je veux aller. Mais je suis pas très très loin. Et il est quand même très lumineux, très spacieux. Il y a des placards. J'étais contente. J'avais peur qu'il n'y en ait pas. Et j'ai la chance d'avoir un balcon également partagé avec l'autre locataire juste à côté. Alors là, c'était assez drôle parce que j'avais trop de courses et je pouvais pas rentrer toute seule avec autant de courses, donc j'ai dû appeler un taxi. En plus, il pleuvait, c'était une galère. Bref. Bon, du coup, là, j'attends les livreurs parce qu'ils vont me livrer mon lit. Comme ça, je pourrais dormir tranquillement dans mon lit et pas sur le sol. Sauf qu'ils vont galérer parce qu'en gros, là, il y a l'entrée et il y a des escaliers effrayants. Et en plus, je ne sais même pas s'ils peuvent venir parce qu'en gros, c'est un peu compliqué, mais là, c'est la route. Sauf que pour entrer chez moi, il faut passer par derrière l'immeuble. Et monter des escaliers. Genre, j'ai peur de les descendre, mais pour de vrai, j'ai le vertige quand je les descends. Genre, c'est. Bref. C'est leur métier, ils se débrouillent. Hey, du coup, c'est bon, j'ai reçu mon matelas et à moi de le monter toute seule. J'ai reçu le matelas et le souvenir. Mais vu que je suis une femme indépendante, et ben, je vais faire ça toute seule.
Sincèrement, moi, enfin, je pense que vous êtes d'accord avec moi, mais je trouve que les couleurs sont vraiment affreuses, et rien qui allait. Mais quand je vous ferai un jour un appartement tour actuel, vous verrez que genre, c'est vraiment beaucoup plus beau. Là, je trouve que tout est affreux. Je suis fatigué. Là, je vais aller prendre une douche. Et ensuite, là, je pense que je vais aller dormir tranquillement. Je viens de prendre la meilleure douche de ma vie. Genre, c'était tellement reposant. Et bah du coup, là, je pense que je vais aller dormir parce que je suis fatigué. Et que en plus, je suis en décalage horaire. Donc, bah voilà. Voilà. Oh. Oh yeah. What a sweet. Ah. Pourtant, c'est écrit qu'il fait 10 degrés, mais là au soleil, il fait super chaud. C'est trop agréable. Du coup, hier, j'ai rien fait, mais genre vraiment rien du tout. Mis à part commander des meubles, enfin pas des meubles, mais tout ce dont j'ai besoin pour mon appartement en essentiel. Donc, j'ai fait une commande IKEA qui arrive ce soir. Et aujourd'hui, je vais aller me promener, je vais aller visiter un peu. Et voilà, une bonne journée qui s'annonce, je pense. Vu que ça fait longtemps que j'ai pas eu une tête potable. Et eh ben, je vais me maquiller un peu en deux spi. Je sais pas pourquoi je chuchote. Alors, je profite de cet instant make-up pour vous raconter ma vie. À l'heure à laquelle je vous parle, on est le 11 janvier 2023. Donc oui, j'ai attendu longtemps avant de sortir la vidéo. Mais bref, avant, je travaillais dans un Tim Hortons, dans un fast-food. C'était le pire travail du monde. Vraiment, j'étais tellement fatigué, tellement épuisé de ma vie. Donc j'ai démissionné et maintenant je travaille dans un hôtel-restaurant dans lequel je suis vraiment beaucoup mieux payé et c'est beaucoup moins stressant. Et je vous ferai une prochaine vidéo dans je sais pas combien de temps pour vous raconter ma vie actuelle face cam. Bisous. Bon, en fait, je vous la fais courte. Du coup, là, je viens de rentrer de cette petite soirée tranquillement. Et au final, je l'ai déjà dit, ma commande, elle arrive demain et pas ce soir. Donc, en fait, je vais arrêter le vlog pour ce week-end là et je vais faire un autre vlog pour vous montrer ce que j'ai acheté pour l'appartement, vous faire un appartement tour. Donc, voilà, là, je vais boire mon café tranquillement. Et je vais aller dormir. Le programme de demain, aller à la banque, avoir mon compte en banque, même si je l'ai déjà à moitié, mais bref. Avoir mon numéro de sécurité sociale, parce que sinon je peux pas travailler tant que je l'ai pas. Et j'ai pas eu le temps de le faire. Et après, envoyer mes CV et aller demander si je peux travailler là où je suis censé aller travailler. Et voilà, c'est déjà bien. Du coup, voilà, bisous, bonne nuit. Bisous.